Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. Peggy 18. Peggy plus plus. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Uncut avec mon camarade Serikai. Salut tout le monde. Donc on va jouer à HU4, ouais on vient finir notre série EU4, mais on sait même pas si vous la verrez celle-là avant, après bref, on s'en bat les webs. On va reprendre notre série multi HU4 avec le mode The War to End All Wars. En fait, tout le monde pensait que la Première Guerre mondiale, c'était la dernière guerre qu'il y aurait. Et ils ont jamais entendu parler de la guerre du Golfe, enfin je me comprends, ou des Balkans, ou de la guerre d'Indochine, ou de l'Algérie, ou du Vietnam. Enfin bref, ils ont oublié qu'il y avait quelques guerres qui se sont passées depuis. Ou la Corée, voilà. Ou la Troisième Guerre mondiale, ou la guerre Corée du Nord, Corée du Sud, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour changer, vu qu'on est des putains de fachos, comme vous le savez tous, privé de joke, hein, je précise, on va jouer, donc, Serika et moi, donc, un l'Allemand, l'autre l'Empire austro-hongrois, et en fait, on va rejouer l'histoire, quoi. Et techniquement, ils auraient dû gagner. Bon, ok, ils avaient les Ottomans avec eux, donc tout de suite, les mecs, ils partent avec du handicap, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va se retourner, on va faire la guerre comment qu'elle aurait dû se produire. Donc, on va défoncer la France, l'Italie, l'Angleterre et la Russie. Sachant que quand on obtient la paix de la machin, ceci, on va pas faire le World Conquest, on va s'arrêter là. On a gagné, on est les meilleurs. Voilà. Donc voilà, sur ce, je lance la game. Je lance le game, comme disent les Québécois. Le game. Ou le gars. Enfin bref, on s'en bat les couilles, comment ils parlent. C'est des anciens français, on les a conquis. Bon, bien entendu, on est d'accord, évidemment, que tous les pays. Ça, c'est pas le gros pays. Le tas de petits pays insignifiants qui nous gênent, on peut les annexer comme on veut. Ah oui, la Belgique, Pays-Bas, normal quoi, comme en 40. Les chitons des Balkans, par exemple. Exactement. Ok, donc je vais lancer le timer. Je vais rassembler toutes mes troupes. Non, peut-être pas tout rassembler. Je vais faire deux armées. On va mettre. Bon, alors on va choisir déjà premièrement les ceux de recherche. Ah, un nouvel arbre assez intéressant. Non, moi machine gun, oui, je prends les machine gun. Ah putain, c'est vrai que j'ai une souris maintenant qui fonctionne, donc ça fait bizarre. J'avais programmé un bouton supplémentaire, en fait j'en ai plus besoin. Je vais remplacer une souris par une autre. Franklin. Un nouvel arbre de recherche. Waouh. Oh putain, 2, 3, 4, 5. 5. J'espère qu'ils sont plantés dans les dates. Ouais, voilà. Donc en fait, vous avez en haut la barre des dates. Les dates, les dates sont pas bonnes. Enfin, moi je sais pas, parce que moi c'est vrai que j'ai une modification sur mon nuit. Il n'y a pas de troupe de marine. Toi oh, t'as quoi comme date par exemple sur les weapons? Parce que moi j'ai 18, 36, 38, 39, 40. Les armes? Ça dépend lesquelles. Toi t'as quoi ton arme pour l'infanterie? Des années, ils vont de quelle année à quelle année? Oui. Pour l'infanterie, je vois de 1905 à 1919. Ok, donc 1918. Ça va être les modes, les gens, vous inquiétez pas. C'est bugué, mais c'est chez moi. Ah, pour les chars, non. Par contre, pour les chars. Les chars, non. Genre, en même temps, tu vas me dire les chars, les Panzerins en même temps, c'est logique. Les chars, ouais. Les premiers chars, c'est les chars de la Grande Guerre. C'est logique. Voilà. On n'aura pas le choix pour les chars. On aura juste des petits chars pourris, vraiment. Et enfin, ça va être long à chercher. Hein. Oh Land Doctrine. Putain, on s'appelait, il n'y a pas compris de doctrine. Oh putain. Tout doctrine terrestre. Bon, ils ont pas changé les doctrines pour l'ingénieur. Ah,
Oh là là là. Contre National Focus, ouf. Ouf, par contre, ouais, l'Electronic Engineering, il n'y en a pas. Oublie la recherche de l'encryptage. Le Gas Research. Bah, par contre, pour les focus nationaux, par contre, je trouve ça dégueulasse qu'ils auraient pu mettre. Ils auraient quand même pu mettre des noms, hein. Parce que os contenu industrialisation, c'est moche. Hein. Et doctrine nationale. Oh putain. Street Britain. Ah. On va se pencher vers les politiques. On va se pencher vers. Ouais, je vais faire ça. Hop. On découvre, hein. Ok, ensuite. Ouais, donc c'est pour ça. Ensuite, ouf. Avec les usines civiles. Que ça fait bizarre de dire que les troupes de cavalerie maintenant dedans c'est des vraies troupes en fait. Ah. Ouais, c'est ma donc ça ouais. On va prendre ça, ça va être de l'infanterie qui de front. Ah, l'infanterie allemande, Army Corps, boum, 20 divisions d'infanterie. T'as déjà entendu parler de la finesse toi? Non. Non mais 8-8 ça fait petite frappe à côté. Hein. F. Bonham. Une cavalerie. Bon. Et... Je suis un clochard à la rue, j'ai pas de navire. Genre c'est le voir des fois, tu vois, c'est les troupes de montagne. Il coûte le mec qui met 40, enfin 20 divisions d'infanterie, qu'il prend supply use de 1,40 alors que c'est les troupes qui vont se battre en montagne. Comment dire ? Je crois qu'on est plutôt mal. Où est l'artillerie ? Ah. Ça va recruter des troupes aussi. Mais j'ai pas recruté de cavalerie quand, faut pas déconner, merde. Et... Ours. Et où copain? Le gros blob au sud. En fait. Ouais mais non, tu sors rien. Donc ça, la Pologne qui les claim. Ah, c'est vrai que la Pologne c'est exclu. Oui. Moi, j'ai presque oublié. Pas de Seconde Guerre mondiale comme ça. Voilà. Ensuite, il me faut deux générales. Non, deux amirals, enfin deux maréchals. On est des maréchaux, des amiraux. Deux field marshals, déjà t'as
Vandenberg, défensive, plus 30% d'entrenchment, et offensive doctrine, moins 10% de combat prise. Mais on prend. Oh, Rommel, il existait déjà? Von Schen et tout? Von Klug. Ok. J'adore triple entente, t'as juste la France. Ouais. Ce qui est débile, c'est que la France et la Russie soient pas déjà dans une triple entente. Il y a quelques troupes de montagne quand même déjà dans l'armée. Au début. 14 divisions de troupes de montagne. 32 divisions pour tenir le front russe. Ça va. Et toi, ça va, ta ligne de front elle est pas trop large en fait. J'adore l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Afrique du Sud. C'est pas encore des états alliés, c'est encore des puppets. Il y a pas encore le Commonwealth. Attends, 1931 pour avoir le Commonwealth. Ouais. Et chose qui me fait bien rire, la France et la Russie sont pas dans l'entente. Alors que pourtant, l'entente, c'est 1905. Ok, je veux bien que la Grande-Bretagne ne soit pas, pour des raisons assez logiques. Parce qu'historiquement, la Grande-Bretagne avait signé un traité avec la France, un traité d'amitié, mais la Grande-Bretagne n'était pas engagée formellement à agir si la France était attaquée. La Grande-Bretagne n'a agi uniquement que parce que la neutralité belge a été violée. Si les Allemands n'avaient pas attaqué la Belgique, la Grande-Bretagne n'était peut-être pas rentrée dans la guerre. Du moins, peut-être pas immédiatement. On dit que ça part de viol, ça m'excite. Eh ouais, c'est enculé. Moi, de mon côté, c'est bon, j'ai... De toute façon, les Anglais, un peu la perfide Albion, quand même. Mm. 13 novembre, 18h. Je suis en train d'uploader le dernier épisode de Nouveau Monde. Moi, c'est de mon côté, c'est tout bon. Moi, je suis tranquille aussi. Hop. Ça c'est l'armée. Armée d'assaut. Ok, allez, on enlève le jeu, on va le mettre vitesse 3. Ben, c'est Rika, ils sont PC connexion pourri. Game over. Moi, celui que je veux, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ouais, l'avantage, c'est qu'il y a ces putains de ressources au sud. Maroc rejoint la triple. Maroc rejoint la triple. Je sais que sur le Maroc, je vois quoi? Je vois drapeau noir, pas de portrait. Waouh. T'as fait ça toi aussi? Ouais. Les ballons, ça fait quoi les ballons? Mes troupes, alors tu veux entendre les pickness, mes troupes de montagne, cette table d'attrition en montagne. C'est quoi ces ballons? Oublier que c'est un peu... T'avais aussi encore une partie de l'Italie dans ton territoire. Hein. Donc ça va être l'héritage, je pense. Ah bah non, t'avais pas d'Italie. Si, la Dalmatie. On t'avait plus. Hein. Le Tirol du Sud aussi. Montagne. Ah, parce que comme ça, c'est vrai que de choper le... Comment ça s'appelle? Les Pays-Bas, ça nous permettra d'avoir d'être tranquille et d'être serein au niveau caoutchouc, même si on a le Siam. Ouais, tiens, c'est ça que je voulais regarder en parlant de ça. On a quoi? Ouais, il n'y a pas de particularité. Mobilisation partielle. Par contre, moi, UT National, 37%. Oh ouais, question ethnique. Non, regarde aussi, ouais, regarde, combien 37 avec 80 pour moi. Et regarde ce qui est marrant, si tu peux, tu regardes mes implantations politiques. Mes partis politiques. Ah ouais. Centrum. Et moi c'est plouf plouf quoi. Les socialistes et nous alignés. Ouais, il va falloir que je penche chez les Kaiser socialistes, machin truc. Ce qui est assez amusante, c'est que
Je peux très bien me barrer et rejoindre la tribu d'entente si je veux. J'entends ça. Mais non, c'est pas une bonne idée. Division qui s'entraîne pas droit. Putain, j'ai la manpower. L'inculé de sa race maudite. Production, faire des combos aussi. Ah oui, merde. Bot. Une tour bottle, lui on va le rattacher à une tour bottle. Recrutement, putain. Mais la rue niveau prod, oh la vache, on est des clochards. Voilà, hop, les deux flottes. La crise marine, ben c'est bon, ça me va comme nom. L'une tour bottle. Sous-marin. Gros build leur flotte, les mecs. Des PD, mais pas complètement, les Allemands. Moi, tu veux une blague, j'ai pas de flotte. Ouais. Pas d'aviation non plus, hein, je te rassure. Ah, l'infanterie. Non plus, ouais. Ah, là, ça pue. Niveau arme, oh! Construit plus d'usines, bande de feignasses. Ouf, j'ai besoin d'un équipement d'infanterie, moi. Le choix entre donner des droits aux minorités. M'amènerait plutôt vers l'entente. C'est marrant, ça y a une différence entre l'infanterie équipement et les basic machine gun. Parce que c'est les avions. Ouais. Mais c'est clair, je vais pas aller vers le. Ouais, coucou, on va donner des droits aux minorités, ça va être plutôt soutenir au fascisme. Hein. Pas filer des droits aux minorités, j'ai pas envie que l'Empire éclate. Ah, ça surtout. C'est l'éclatement de l'Empire austro-hongrois qui a créé un tas de petits états trop faibles pour se défendre, qui a posé les germes de la Seconde Guerre mondiale. Bon, une fois, c'était même pas de la faute des feuges hein, initialement. Ils y sont pour ni la faute, ni la faute, ni la faute des juifs, ni la faute des arabes. Quand même, c'était quand même la bonne époque. Oh là là là, ces blagues. À l'époque, tout le monde se disait, ouais, mieux vaut Hitler que Staline. comment dire, mon gars, faut qu'on t'explique des choses là. Est-ce qu'ils ont modifié les ressources qu'on a là? On va mettre sur le feu. Ah. D'ailleurs, en parlant de ça, de mieux vaut Hitler que Staline, rappelle, certains de mes élèves, mais monsieur, en fait, je comprends bien, Staline c'était gentil. Mais non, vous savez, y a pas, le monde c'est pas les gentils et les méchants, hein, je veux dire. Et je sais pas si un homme qui a fait 20 ans de mort peut vraiment être considéré comme gentil. Ah, les clichés. Au moins, ils ont fait ça bien. Stalingrad n'existe pas, c'est arrêté. Les Allemands, ils avaient une petite rachée de troupes dans les. Dans les. Ah, c'était des colonies à défendre, toi aussi. Vers la Papouasie. Ouais, vers la Papouasie et tout, ils avaient des troupes, les Allemands, en ce temps-là. Ouais, c'est leur colonie. Ah ouais, je savais pas. Des colonies qui sont fait sucrer après la guerre mondiale. Papouasie que l'Australie a récupéré.
D'ailleurs, la mer au nord de Papouasie s'appelle la mer du Bismarck. Ah ouais, ouais. Ça s'appelle toujours mer de Bismarck aujourd'hui d'ailleurs. Ok, bon. Polonie. Exécution du plan. Pouvoir faible. Déjà, mais t'es vraiment violent, toi. Oh là là. Sérieux, t'as manpower faible? Combien de manpower? 238 000. Ah ouais, d'accord. Tu vois que je suis en mode de 3 millions? Il m'en restera. T'en es pas en millions, toi. 11 millions. 11,4. T'as 11 millions d'hommes. Ouais. Ah putain. Donc je pense. Et comment ta population, ta population de corps, toi? Ouais, attends deux secondes. Et. À tes souhaits. Je vais me permettre de mettre mes troupes chez toi aussi pour t'aider à ta défense, ta ligne de front. Donc le russe. Ah. Là, c'est la fin de l'épisode. Tiens, je viens de perdre 1 million d'hommes. Population corps. 71 millions. Ah, j'en ai que 37 millions aussi. Ça me bravo. Et 18 millions qui sont pas corps à cause de tous ces tchèques et tous ces machins là. Eli, on te supporte. On tente. Attends, c'est quoi? Pro-sentin poids ou pro-entente qu'il faut? L'entente, c'est les enculés. Voilà, c'est ça. Nous, c'est pro-central power. Ah ouais, d'accord. Maroc, t'as pépé de la France. Ah bah oui. Oui. Central power, voilà. Guénana, ouais. J'ai pas visité d'autres pays, toi, je sais pas, par exemple. Moi, ce que je suis en train de regarder. Ah, voilà, Autoran, mes concessions. La première zone de tout l'Ovalerie. Les Rital, ils sont plutôt pro Central Power, les Rital. De toute façon, les Rital, c'est des putains de girouettes. Voltaire disait si la Savoie finit une guerre dans le même camp qu'elle a commencé, c'est qu'elle a trahi deux fois. Je regarde, c'est bizarre. Break the Entente ou Extend the Central Powers. Autonomie militaire et mission. Ok, bon, par contre, ça fait tingling, donc on va s'arrêter là. On va regarder ça plus tard. Donc, sur ce, les gens, on vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.